Les pratiques américaines d'espionnage sont inacceptables, c'est ce qu'a déclaré le ministre français des Affaires étrangères à l'issue d'une rencontre avec son homologue américain aujourd'hui. La France s'indigne et le Parlement européen agit. Hier, la Commission des libertés civiles a approuvé quasi unanimement un texte renforçant les sanctions contre les entreprises qui font un mauvais usage des données personnelles. La balle est désormais dans le camp du Conseil qui réunit les États membres. Il y a encore quelques États qui refusent d'appliquer les règles européennes en matière de protection des données. Et je pense que ce n'est pas acceptable en ce moment, alors que les citoyens savent que leurs données traversent les frontières. Nous devons être stricts vis-à-vis de ce que nous appelons les géants, car ce sont eux qui peuvent jouer et faire de mauvaises choses avec nos données personnelles. If you want nasty things with personal data. Le texte stipule que Google, Facebook ou encore Yahoo devront obtenir le consentement des personnes pour utiliser leurs données. Les internautes pourront également demander aux entreprises de supprimer les informations les concernant, ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Ceux qui ne respecteraient pas ces règles s'exposeraient à des amendes allant jusqu'à 5% de leur chiffre d'affaires.